Je recommence cette vidéo pour vous parler de la marque Beauty Bay. Moi, vous avez vu quand même. Je vais couper ça au montage. Bref, pas que vous voyez mon adresse. Petit fil noir. Mais petit fil noir, c'est facile de parler. J'ai acheté. Donc, ça, c'est. Ok, ça, c'est la facture. On n'a pas besoin. On l'oublie, je descends ça. De la marque Brosseur des chouchous de fleurs pastel. De couleur pastel en rose. Un violet. Un bleu clair. Un vert menthe. Vert pâle. Un beige blanc. Je recommence, je pense que vous n'avez pas vu les bonnes couleurs. Rose pâle. Deux roses pâles. Un bleu clair. Un vert menthe. Un mauve. Et un beige blanc. Je remets ma lumière parce que j'aime mieux être éclairée que avoir la peau terne. Bon, vous voyez mon ventre. Je pense que je vais monter mes jeans. Comme ça. Bon, même si vous voyez un peu mon piercing, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça me dérange pas. De la marque Brosseur aussi. Le même pince que Senona Beauty a pour dans ses vidéos maquillage. Bon, ça vient de. Donc, c'est des petites pinces plates. Je vais les mettre après mon verre que vous ne voyez pas. Je vais les installer. Comme ça, vous pouvez voir le. Ce que je vais vous montrer après. Après, je vais vous montrer le verre. Donc, c'est plus, hein. Le carton, je n'ai plus besoin. Mais mon verre à éponge, il y a toutes mes pinces de toutes les couleurs possibles. Comme ça, je ne chercherai pas pendant mes vidéos make-up. De la marque Paul & Joe, j'ai une petite toupette que j'ai testée, mais de la marque Paul & Joe. Bon, j'ai de la misère à tenir. Je vais la mettre entre mes doigts ici. Aussi, la marque. La marque Paul & Joe, comme ici. Je l'ai testé, ça va super bien pour ratifier le fond de teint avec notre poudre. Les autres, je vais y mettre. Je sais pas où les mettre. Bon, ça, je vais y mettre là. Tiens. Ça, c'est mon crayon que j'ai testé. La marque MUA, Makeup Academy. C'est le mascara. Lila, comme ceci. Pour une journée que je vais. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne avec des couleurs pastel. Donc, je vais m'habiller en pastel. Je vais maquiller en pastel. Je vais même me faire une coiffure avec mes petits chouchous pastel. De la marque. La marque Beauty Bay. J'ai acheté les petits. 5 petits copions pour quand je fais des erreurs, etc. Je mets dans mon kit à pinceau aussi. De la marque MUAD Academy, le blush cream de la teinte Peach Pop que faut que je teste. Une petite sponge
éponge qui vient dans la craqueuse avec le petit blush, la marque Muad. Donc, j'ai hâte de la tester. Je vais la mettre dans mon pot d'éponge. Ça, c'est un carton sans rire. De la marque Soda. Ouais, Soda. C'est un... Je vais vous le montrer sur ma main. C'est un eyeliner pour faire des petits cœurs sur la paupière ou sur la joue. Comme, mettons, comme ceci. Comme ceci, genre, je vais en mettre un aussi. Comme ceci. Pour faire des petits cœurs. Comme ça, c'est trop chou. Je trouve ça super cool. J'ai vu ça sur Hello Coralie encore une fois. Mais elle a des étoiles, etc. Le marque Soda, il venait des petits collants comme ça. Avec le petit... avec le baume à lèvres de la marque Soda. Il venait les petits collants et il est pailleté. Comme ceci, je le trouve full beau. Super beau. J'aimais bien ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je l'ai acheté. La teinte, c'est Strawberry Magic, la 01. Il y a d'autres teintes sur Beauty Bay. Bon, je vais... Bon! Ça vous en va être plus, ça. De la marque Beauty Bay. Je vais pouvoir la tasser, en fait. Et fermer le serveur en question. Damar Beauty Bay en collaboration avec Disney. Disney World. Vous voyez la petite tête de Mickey. Ça vous le dit tout de suite. Le coffret présente avec trois palettes. Je vais mettre le coffre ici, comme vous ne voyez pas. De la marque de Alice au pays des merveilles, le chat de Cheshire. Voici les teintes de la palette de Alice au pays des merveilles. C'est la même tête que ça. Je vais remettre le petit papier de protection. Comme ça, mais je la teste. Je vais faire un maquillage. Dites-moi en commentaire si vous voulez que par palette, je fasse un thème, mettons, Alice au pays des merveilles. Puis que je fais un maquillage Alice au pays des merveilles avec ses... Avec cette palette-là, et mettons pour chaque Disney, faire une vidéo par palette ou que je teste une palette et que je dis juste ce que j'en pense ou que je fais, mettons, vidéo crash test Alice au pays des merveilles, une crash test Dumbo et le livre de la jungle où je fais un thème par palette. Mettons, je fais Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Dumbo. Et le livre de la jungle. Seulement une palette. Et pourquoi pas. Mettons, m'habiller un peu de la même teinte. Mais c'est sûr, je pourrais pas m'habiller en Dumbo, l'éléphant. J'ai pas les costumes, mais. Exemple, je sais pas si c'est une idée, je vous lance. Si vous voulez me répondre en commentaire sur ce, ça m'aiderait beaucoup.
Comme ça, je pourrais revenir sur ma chaîne plus régulièrement, en fait. Donc, la prochaine palette, c'est la palette Dumbo. Comme je disais, Dumbo l'éléphant, le petit éléphant, tout mignon de Disney. Et son copain, la souris, ici sur sa tête, là, ici. Je m'en rappelle plus le nom de la souris. voici la Color Story de la palette. Je pense que... Mettant la lumière, vous voyez mieux les teintes. Donc, la palette comme ceci. Je vais le mettre mon doigt dedans. Je vais vous remontrer, du coup, la Alice au Pays des Merveilles. Juste pour la Color Story que vous avez vue ensemble, mais qui est... Ah oui, j'ai remis le... Ici, la Color Story de la Alice au Pays des Merveilles. Comme ça, vous la voyez mieux. Je remets le carton. La pellicule, le plastique protectrice. Comme ceci. La Dumbo, je vous l'ai présentée. Je pense que pas juste celle-là. Je devrais aller checker, voir s'il n'y a pas d'autres palettes avec d'autres... films Disney. Aussi, le livre de la jungle, le Bangera et le nounours, je ne me rappelle plus le nom. J'allais dire Tiber, mais ça, c'est dans Tiber et la Maison Bleue. C'est pas le même personnage. Voici la Color Story, beaucoup vert, bleu et un petit vert pâle, un petit rose. J'adore la Color Story. C'est vrai que moi, j'utilise pas beaucoup de vert. Pas j'ai peur de cette couleur-là, mais je trouve que le vert ne me va pas. Côté habit, j'ai pas beaucoup de vert parce que c'est certains verts qui me font pas. Ah, et qu'est-ce qui est fun, c'est de Jungle Book 1967. C'est les années de sortie du film, je crois. 1941 pour Dumbo. Et Alice in Wonderland 1951. Donc, je trouve ça bien qu'ils ont fait un coffret Beauty avec Disney. Comme ça, je vais avoir deux références de Beauty Bay, mais avec quelqu'un d'autre. J'ai la Hello Coralie. It's Beauty Bay. Et maintenant, la Alice. La Alice. Non, Disney. Avec Beauty Bay. Comme ça, avec la marque Beauty Bay. J'adore le coffret, j'adore son idéal, j'adore son idée, donc je vais vous la tester sous peu. Sur ce, gros bisous à vous et bonne soirée!